Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Galden pour les Jeux du Cygne. Alors, cet épisode va être un peu différent du précédent parce que j'ai mon logiciel d'enregistrement qui m'a paumé un épisode en gros. Donc j'ai pu relancer une sauvegarde automatique, histoire que tout ne soit pas perdu, mais j'ai quand même perdu une bonne partie de l'épisode en question. Donc, qu'est-ce qui s'est passé que vous n'avez pas vu? Et c'est bien dommage. Il s'est quand même passé un truc pas mal, c'est que j'ai réussi à récupérer 4 points de contrôle en Chine. Sauf que du coup, ça met dans le mal au niveau des points d'influence. Parce que je suis nettement au-dessus de mon cap de points d'influence. Donc, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde parce que je sais que tôt ou tard, voilà, je perds tous les mois 62,6 points d'influence et il me reste plus que 53,3. Autant dire que ça va pas être très très simple. Mais il va falloir faire avec. D'autant plus, je ne peux pas lâcher un point. En fait, j'aurais pas dû prendre le quatrième, j'aurais dû m'arrêter à 3. Mais je me suis pas rendu compte de ce que ça allait donner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai abandonné toutes les autres nations. Voilà, le Myanmar, je l'ai abandonné, la Biélorussie aussi, État malien, Canada, Laos, Mongolie, Corée du Nord. Je les ai tous lâchés pour pouvoir diminuer un peu mon nombre de points de contrôle. Et puis, je sais, en fait, ce que je ne sais pas trop, c'est ce qui va se passer quand je vais arriver à zéro. En dehors du fait que je vais rien pouvoir faire. Donc voilà. Bon, ceci dit, quand même, récupérer 4 points en Chine, c'est pas rien. Il faut juste pas que je me fasse piquer, en tout cas le dernier. Le cinquième, si je me le fais piquer, c'est pénible, mais c'est pas dramatique. De toute façon, c'est difficile, hein, on le sait, hein, je suis arrivé à choper un point, donc on va dire ça me laisse normalement un peu de temps. Mais voilà, donc faut arriver à faire avec tout ça. Dans les choses que j'ai expliquées et qui se sont perdues à la trappe, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de choper le deuxième point. Il faut savoir que tous les points de contrôle dans les nations qui ont plusieurs points de contrôle ont des effets passifs qui peuvent avoir beaucoup d'importance. C'est ce qui est indiqué dans le apporte les avantages suivants. Deuxième paragraphe. Bonus octroyé aux missions de contrôle de nation dans cette nation. Donc, en fait, à partir du moment où on a ce point-là, qui a cet avantage-là, eh bien, toutes les missions, je vais pouvoir vous montrer, si je voulais choper un cinquième point, mais je ne voudrais pas, on voit que là maintenant, de base, sans dépenser de points d'influence, j'ai 28% de succès. Parce que d'abord j'ai un score de persuasion qui est pas nul. Ensuite j'ai un soutien populaire qui commence à être sacrément costaud. Et puis point de contrôle de bureaucratie plus 3. Et donc ça typiquement c'est ce fameux point-là qui donne l'avantage, un plus 3 cadeau, quoi. Et puis effronter qui est un trait. À partir du moment, j'ai aussi constaté qu'à partir du moment où j'avais chopé un point, le premier point de contrôle dans la nation, eh bien le malus lié au fait que j'avais des points de contrôle chez les ennemis, chez les rivaux, pardon, avait disparu. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux arriver? Non, parce que ça va me dépenser des points de nation et on a dit qu'on ne dépensait aucun point d'influence, pardon. Voilà, donc le malus qui était de 2 points, il me semble, a disparu. Voilà, donc déjà quand j'ai chopé le premier, ça a facilité un peu à prendre le deuxième. Et ensuite, quand j'ai eu le deuxième, ça a facilité à prendre le troisième et le quatrième et les suivants également. Mais ça sera pour un peu plus tard, parce que là, très clairement, j'ai pas de quoi soutenir tout ça. En termes de priorité, on voit que je fous tout dans le savoir. Alors je pourrais en mettre aussi dans l'économie, ceci dit. Je vais en mettre un peu dans l'économie quand même, parce que c'est important.
de continuer à développer. La Chine, en fait, c'est un réservoir qui est énorme. Quand c'est développé de façon importante, ça défonce tout. Donc, il y a une économie hallucinante, mais des paramètres qui sont quand même pas terribles, terribles. Il y a un gouvernement qui est très autoritaire, sans blague. On est quand même un peu dans la vie réelle. Donc, pour maximiser les gains en sciences en particulier, eh ben, il faut augmenter l'éducation. Pour augmenter l'éducation, il faut également que le gouvernement soit augmenté. Et tout ça, ben, ça s'augmente avec le savoir. Voilà, tout ça, c'est des paramètres qui sont liés. Ensuite, on s'occupera à faire diminuer les autres. Hein, la cohésion, la ramener aux alentours de 5. Essayer de faire diminuer les inégalités, même si pour l'instant, voilà, ben, je ne peux pas tout faire d'un coup. On verra, à la limite, quand j'aurai un peu plus de. Quand j'aurai réussi à choper les autres points, peut-être que je répartirai un peu différemment. Mais voilà, c'est. En début de partie, ben, c'est pas un super pays, parce que, enfin, quoique, il y a quand même déjà pas mal de science. Hein. Ça me donne 209, alors que les États-Unis me donnent 503. Bon, non, on n'est pas tout à fait dans la même école, mais c'est quand même déjà pas mal. En comparaison, un pays comme la Russie, son potentiel, c'est 77. Hein. Donc, les gros pays, il y a l'Inde aussi qui a 313. Ah, ouais. Ils sont pas mal. Voilà, donc bon, j'ai chopé ces 4 points, c'est plutôt sympa. Ensuite, bah, j'ai chopé 3 points sur Mars. Je m'étais rendu compte que je m'étais planté le deuxième, je crois que c'était à la fin du dernier épisode. J'avais pris le deuxième point qui n'était pas celui que je voulais prendre. C'était cette zone-là que je voulais récupérer pour qu'il y avait pas mal d'eau. Et puis des matériaux fissiles. Mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi à le choper encore. Les autres n'y sont pas, donc c'est pas un souci en soi. Voilà, donc il me reste ensuite, bah, essayer de développer. Pour augmenter mon maximum de points de contrôle, il faut, c'est indiqué dans le tooltip, hein, il me faut soit des points d'administration, de commandement ou de persuasion. Donc bah, il faut derrière ça que j'essaye de choper des organisations qui me donnent de l'administration. Celui-là, ce serait bien, mais je ne peux pas. Parce qu'il faut être criminel pour choper la Nemesia Organisation. Et j'ai personne qui a le trait criminel. Et pour choper le trait criminel, je crois que j'en ai qui peuvent le faire. Il faut des points d'influence. Qu'est-ce qui peut être criminel là-dedans? Gouverneur criminel, voilà. Elle, par exemple, peut être criminelle, sauf que ça coûte 50 points d'influence. Et on a dit qu'on ne dépensait pas les points d'influence. C'est bien dommage que ce soit ma célébrité qui puisse être. Ouais, c'est célébrité et évangéliste qui peuvent être des. Non, journaliste, pardon. Et évangéliste qui peuvent être des criminels, c'est pas génial parce que criminel, ça booste très souvent, bien entendu, l'espionnage. Des organisations criminelles, il y en a peut-être d'autres. Non, ça c'est gouvernement. Criminel, voilà. Ça, alors, il y a régulièrement des points de persuasion, effectivement. Il y a tout le temps des points d'espionnage, des points d'opération et des points de sécurité. Ça, c'est, on en a tout le temps. Souvent, c'est les criminels permettent de gagner des sous. Alors que le gouvernement s'en fait perdre. Voilà, donc c'est vrai que ce qui est top, hein, c'est un agent, donc un personnage de base qui est orienté espionnage. C'est top s'il peut être criminel, c'est pas le cas pour Dachus, c'est bien dommage. Voilà, donc il me faut, on a dit, de la persuasion, des points d'administration ou des points de commandement, et je ne peux en choper aucun. Dans l'immédiat, ces sciences, commandement là éventuellement, mais il me faudra des points en Iran, ce que je n'ai pas. Bon, bah, donc pour l'instant, je ne peux pas choper d'organisation qui en propose. Et tant pis. Et je ne peux pas augmenter les stats de mes conseillers. Donc il va falloir attendre. Il va falloir les faire pexer.
Je vais plus pouvoir conseiller, typiquement, parce que ça me coûte 10 points d'influence à chaque fois. Donc, alors, cachette terrestre, c'est déjà fait. Mais j'ai pas grand-chose à faire avec lui, du coup. Donc, lui, je vais lui faire, faire de la propagande qui sert pas à grand-chose. Mais We must persuade the voilà. people. C'est. Reporting in. Non, à la limite, What's the op? je vais plutôt aller dans un grand pays. Pays pour lequel ça compte un peu. À Taïwanais, à la limite. Parce que Taïwan. Ouais, je vais peut-être aller booster ma I popularité à will tell our Taïwan, story. qui est un pays plutôt Where do you intéressant. need me? Toi, bah ensuite je vais me lancer dans la chasse à l'homme. Donc je vais aller essayer de choper des conseillers adverses. On va essayer de voir We'll see what they're up to. I'm ce que here. je peux en faire. At your J'ai service. pas trop de problèmes ici, il n'y a aucun problème d'insurrection. Là, c'est A1, c'est pas un souci. Attends, Ready for non, toi orders. tu fais une cachette terrestre. Là, c'était caché. Initiating deep cover. Hop, Acknowledged. toi, pareil. Your Hop, orders? Ready for my mission. toi, c'est At fait your la cachette service. terrestre. Toi, tu peux aller faire de la campagne publique aussi aux States. J'ai pas de soucis. Taïwanais, où est-ce que je peux aller d'autre d'intéressant? Australie, c'est pas qui. C'est au protecteur. Au projet Exode. Ok. Projet Exode, normalement, je les emmerde pas trop. Bon, en Russie, pourquoi pas? En plus, c'est la résistance, c'est pas forcément I mes will tell potes. our story. What's the op? Toi, t'as fait ta cachette terrestre aussi, donc pareil, allez, hop. I will tell our story. Et c'est reparti. Hunkering down. Going silent. Prepping for mission. Orienté. Rumeur de Ulaanbaatar. Il est à deux enlèvements en Mongolie. Hop, récentes activités extraterrestres dans cette région sont révélées. Un enlèvement. Ouais, bon, juste ce qu'il faut en opération. Réduit dans les cendres, autorisé pour l'humanité, détruisez tout. Un pèlerinage pour les serviteurs. Hop, un enlèvement en Mongolie. Tac. Celui-là, je m'en fiche. Il y a plein de missiles que j'ai débloqués. Et Public donc, opinion is moving in our direction. j'ai We've moved the needle. régulièrement Public sentiment is increasingly with us. des projets de missiles qui se débloquent. Au niveau. Voilà, je perds les points. Ça, c'est normal. Hein, c'est des points que j'avais lâchés de toute façon. Donc, ça n'a rien de surprenant. Au niveau science, ça va. Je suis très très large. Non, c'est pas ça que je voulais faire. En comparaison, la Russie sous contrôle la Chine ont formé une alliance. Pas du tout. Là, il y a un gros misclic. Bon, et bah, tant pis, je m'en fous un peu. Je lâcherai l'alliance plus tard. Si on regarde, hein, moi je génère 38,7 de science. Les autres en sont très loin. Le protectorat est le plus proche avec 30. Donc, autant dire que je suis plutôt tranquille. Acknowledged. Donc, toi, tu vas faire de la pub également.
Là, ça va, je suis bien. Hop, on va les faire chier là. Ah non, toi, on m'a dit que tu pouvais faire de l'enquête. Tac. Investigating target. Ready to go. Dashus, tu peux aller pourrir la résistance. Hop. I'm going in. Hop. Person of interest surveilled. Alors l'académie, ok. Bon, l'académie, c'est pas forcément mes trop mes potes. On va continuer les scouts. They won't know what hit them. Alors, je peux défoncer un projet de plein de points et ils ont pas grand chose qui est très évolué. C'est bien dommage. Et ben, origine extraterrestre. Tac. Public opinion is moving in our direction. We're winning their hearts and minds. Public opinion is moving in our direction. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ouais, je perds mes pays les uns après les autres, hein, mais c'est normal. Je voulais regarder en termes de population. Il n'y a pas la population globale. L'Italie et le Canada ont mis fin à leur alliance. Je m'en cogne. Je m'en cogne à moitié, mais de toute façon, c'est comme ça. Dashus. Tu peux aller me faire un petit assassinat comme ça. Allez. Ou non, tu vas aller pourrir les projets. Ah bon. Breaching lab security. Tac. Ah, je pourrais aller me mettre de côté, me réserver un autre point sur Mars. Hop. Tac. Celui-ci de mémoire. Là, il y a beaucoup d'eau, et je crois que c'était celui-là que j'avais vu. Il y a beaucoup d'eau, il y a pas mal de matière explosive, un peu de fissile. Donc, Prometheitera. On va essayer de ne pas se planter cette fois-ci. Il faut que je fasse gaffe de ne pas trop aller chercher... de pas trop aller chercher de points, parce qu'il faudrait que j'évite de dépasser mon maximum. I have new information. Scientifique. Hop. On va essayer de voir si je peux pas aller. Merde. Ça, ça craint. Capturer Dashus. Ça craint beaucoup parce qu'en plus, le seul qui puisse le libérer, c'est lui-même. Échec critique. Eh ben, bravo. Bravo, Dashus. Public opinion remains unmoved. Public sentiment is increasingly with us. We've moved the needle. Blindage en nanotube, j'en aurai besoin, mais plus tard. Hop, je perds la Biélorussie. Eh oui, normal. Je serais eux, j'aurais aussi chopé la Biélorussie. Histoire de la faire fusionner avec la Russie. Alors, deux nouvelles organisations. Hop, de la tête. Voilà, donc je suis à zéro, hein, typiquement. Donc c'est la même merde. Ah ouais, en plus, je perds encore plus de points parce que Dashus est en prisonnier. Bah, tous ces points, lui, comptent pas, en fait. Donc il faut soit que j'attende qu'il se libère tout seul, ce qui risque de se passer. Attends, j'ai pas regardé pour les organisations, mais bah, de toute façon, comme je peux pas dépenser d'influence, ça me limite quand même pas mal. Donc Dashus, prisonnier,
Je pense pas que j'ai quelqu'un d'autre qui puisse faire de la libération de... Reporting in. Ready. Je peux enfermer, where to? mais je peux pas le libérer. Eh ben tant pis, ça veut dire que Dashus il va être Where do you need me? assez limité pendant un certain temps. Accessoirement, ça là, permet à l'académie de me prendre facilement Tracking les. failed. De me prendre facilement les organisations qu'il a sur lui, par exemple, ou ce genre de choses. We hold no sway in their minds. The people will come to our side. We hold no sway in their minds. Je peux pas faire grand-chose, c'est un peu chiant. Qu'est-ce que je peux... Ah, quelqu'un de... L'humanité que je pourrais éventuellement rallier à ma cause, mais bon, j'en ai pas vraiment besoin. Aux États-Unis, tout va toujours bien. Bon, pas grand-chose à faire, hein. Il faut surtout que j'attende. Your greed is shameful, but Ah, it is of no les servants veulent consequence. nous parler. Ils voudraient. Les sondes arrivent 100% plus vite. Bof. Franchement. Franchement. T'as pas grand-chose qui m'intéresse, cocotte. Hein. Plus 5%. Franchement, quel est l'intérêt de ce. Elle est nulle, cette organisation. Donne des sous. Je te donne 1000, t'en veux pas. 3000, 2000, t'en veux pas. Quatre mille thunes. Le projet de réaction. Et moi, je leur donne ça, qui est quand même un truc qui est plutôt sympathique. Ça, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour développer certains moteurs. Bof, 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 bof. Non. Ils n'auront pas les sondes qui vont plus vite. Origine extraterrestre. Alors, il y a une multitude de théories sur l'origine des aliens. Running the gamut, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui, ouais, en gros, des théories les plus absurdes aux plus plausibles. Ce qui rend un peu fou ce qui est un peu dingue, c'est que nos études des débris aliens ne nous permettent pas d'invalider aucune de ces théories. Si l'on en croit le ratio d'isotopes les isotopes du plomb et d'autres éléments, la plupart semblent être originaires de notre système solaire, ou ce qui semblerait moins probable, beaucoup moins probable, un système solaire du même âge que le nôtre. Mais une partie des matériaux semble ne pas être d'origine locale,
Et certains de ces matériaux nous sont parfaitement inconnus. Ainsi, même si nos visiteurs semblent avoir des installations d'ordre industriel, à échelle industrielle, dans l'orbite du Soleil, ils n'ont certainement pas commencé ici. Donc ils viennent certainement d'ailleurs. We believe we have located the alien headquarters inside the solar system. Alors, grâce au financement offert à plusieurs organisations astronomiques, nous avons reçu des copies de leurs rapports. Il apparaît que les extraterrestres possèdent une base d'opération dans les confins de notre système solaire. Ils sont probablement arrivés jusque-là grâce à une technologie supraluminique avant de se mettre à construire leurs vaisseaux et autres outils grâce à des ressources locales. Les astronomes semblent en majorité s'intéresser à la technologie supraluminique des extraterrestres, aux implications de la recherche d'intelligence extraterrestre. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre temps sur des sujets aussi improductifs. Et nous allons donc nous concentrer sur des questions plus pratiques. Voilà, ça c'est l'académie. C'est pas l'académie, au contraire, c'est l'initiative. On veut des sous. Cargo nucléaire, très utile à développer maintenant. Ça y est, il n'est plus détenu. We've got some intel on our target. Alors, où est-ce que Wrapping up t'es? here. Du coup, toi, t'es toi. Ah, j'ai pas sa loyauté encore. Et t'as pas d'organisation qui m'intéresse. C'est bien dommage. You are a shining star. You are a burning sun, and Alors, within you concept en cette gestion de burns la an eternal chaleur. flame. When that flame Radiateur, touches another, dissipateur, thermique. Donc nothing in this ça, world c'est des pièces can stand in its way. de vaisseau. Destination de problème, utilisation des ressources in situ. Ça peut être intéressant tôt ou tard. Fission. Propulsion. Psychologie. Camp médecine. Militarisation de l'espace. Réseaux neuronaux avancés. Cybernétique. J'en suis. Quels sont les autres projets qui sont cherchés? J'ai mouvement d'unité, c'est pas moi qui l'avais fait celui-là. Alors, je vais aller chercher celui qui permet d'avoir opération secrète. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Opération secrète. Pour avoir opération secrète, il faut manipulation avancée de l'atome. Eh bien, allons manipuler l'atome. Histoire de pouvoir débloquer le plus tôt possible. Notre sixième conseiller. Même si c'est loin d'être pour tout de suite. Bon, manifestement, le fait de plus avoir d'influence pose pas plus de problèmes que ça, mais ça, ce sera utile plus tard. Je me pencherai plus tard sur la question de la construction des vaisseaux. Le Canada, c'est marrant. Ils abandonnent le Canada alors que c'est toujours nous qui contrôlons entre guillemets l'exécutif. C'est d'ailleurs assez surprenant qu'il n'y ait personne qui cherchait à le choper. Est-ce que j'arriverai? Non, on a dit que de toute façon je peux rien changer dans mes. J'ai plus d'influence. Alors, toi tu vas continuer à faire des recherches sur Eyes on monsieur target.
Standing by. Bon, et puis toi, tu vas réessayer de faire du sabotage de projet, mais ce serait bien si tu te refaisais pas capturer, Coco. J'apprécierais. J'apprécierais beaucoup. Ah, un point d'administration que je peux prendre est bon à prendre. -1,5. On y est presque. Pouf pouf. Presque. We found nothing of note. Ouh, toi t'as failli te faire capturer aussi. Couldn't get to their data. Tu le fais exprès. Public sentiment is increasingly with us. We're winning their hearts and minds. Taïwan. People will come to our side. Ça va, la Russie. Ça va aussi. Oh merde, alors ça par contre ça craint. Bon. Ça craint parce que je peux plus défendre mes intérêts aux États-Unis. C'est pas une très bonne nouvelle. Je vais pas les perdre. Hein. Bon, l'avantage c'est que j'ai un soutien populaire qui est énorme et que c'est quand même un pays pour lequel on change pas facilement. On récupère pas facilement des points. Mais bon. C'est quand même pas une très très bonne nouvelle. Et ben, on continue. Hein. Tant que j'ai pas d'influence, je peux pas faire grand chose. J'augmente mon admin. Dès que je le peux. Surveillance complete. Ah. Bailleur de loyauté de 13, je vais pas pouvoir en faire grand chose. Prepping for next mission. Mission inconnue. Il n'est pas très intéressant. We hacked their research data. Alors, cargo nucléaire. Ouais, ça, je vais pas te laisser le prendre. Origine extraterrestre que je peux lui pourrir aussi. Hop. Je vais recommencer derrière. Coup d'état au Brésil. Ah, c'est intéressant. L'humanité qui s'est installée. Pas choisir, je préfère. C'est quand même un gros pays. Public sentiment is increasingly with us. We've moved the needle. Bon, là je commence à avoir une opinion publique plutôt sympathique. 64% ici. Là, je vais continuer ici. Je vais passer, je vais faire un petit tour en Europe. Pas sûr que ça change grand chose, hein, le fait d'avoir. Sur le long terme, je pense que. Mais bon, de toute façon, j'ai rien d'autre d'intéressant à faire. Éventuellement, prise de contrôle hostile. Non, on a vu qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Donc, je vais aller faire de la pub. Je vais utiliser un peu de sous. I will try to sway the public. Ready for orders. Ici. I will try to sway the public. Hop. Là, je peux augmenter mon admin. La société médicinienne, 109 points. Je la veux, mais je peux pas la voir. They won't know what hit him. Hop. Tac. Succès critique, ça me donne en plus un petit peu de science. Public opinion is moving in our direction. We've moved the needle. We're winning their hearts and minds. The people will come to our side. L'Inde, par contre, ça va être chaud. L'Inde, c'est quand même un pays qui est très... C'est marrant, sur quasiment toutes les parties que j'ai faites, c'est un pays qui se retrouvait sous la botte des serviteurs.
Alors, la répression, oui, ben ça c'est pas bien du tout. Je suis désolé, mais je réabandonne. Parce que je peux pas me permettre de garder mon point au Canada. C'est bien triste. J'aimerais bien le faire, mais je peux pas. Je voudrais bien, mais je peux point, comme dit la bonne du curé. What's the guard? Alors, tiens, analyse extraterrestre avec Eternbourg. We'll recon the site. Tac. The people will come to our side. We're winning their hearts and minds. Public opinion is moving in our La direction. Russie, We eh oui, hold no sway in their minds. Déclenche la guerre à la Géorgie. Donc la Géorgie est ici. Elle n'a pas d'alliés. Si elle a l'Europe. Oh. Du coup, la Russie rentre en guerre avec l'Europe. Alors ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Et la Turquie aussi. Ouh, la Russie va peut-être pas gagner là-dessus. Hein. Déchirez-vous. Les ennemis des ennemis sont. Non, bah, s'ils sont tous ennemis ensemble, moi ça m'arrange. The Journey à Insight. L'atterrisseur d'Insight a été visité. Notre présence sur Mars. Maintenant bien établi, une petite équipe de chercheurs a pris le temps de retrouver l'atterrisseur d'Insight de la NASA qui a passé plusieurs années à étudier la sismographie de la planète rouge avant de s'éteindre en décembre 2022. Les données recueillies ont servi lors de nos recherches de sites propices à des bases habitées. Alors, un mémorial qui renforce l'opinion publique de l'initiative dans le monde entier. Ça donne des sous, des points de boost. Non, on paye des sous, des points de boost, mais on gagne plein de science. Oh. 573, c'est beaucoup. Ou là, je gagne 150 thunes, franchement. J'ai pas besoin d'opinion publique, par contre. La science, c'est toujours bien. Hop, commando. Va nous détruire des plantes. Gear up. Nouvelles organisations. Ouais, bah, nouvelles organisations, mais j'ai pas de quoi me les payer, donc. Botswana. Ouais, c'est une bonne idée que le Botswana, Viper, c'est pas cela que je veux. Il y a tellement d'éléments pour les vaisseaux que Public opinion parfois je is sais ce que je moving in veux, our parfois je direction. sais pas. Public opinion is moving Donc, in our direction. Public sentiment is increasingly with us. Our case remains unheard. Score one for the good guys. Score one for the good guys. Bon, il n'y a toujours personne en Chine, heureusement. Mais j'ai toujours pas. Les extraterrestres ont rapidement gagné en popularité en Inde. Ça alors, c'est étrange. C'est vraiment étrange. Non, il n'y a pas de point de contrôle de la faction extraterrestre. On voit pas ça encore. Dashus, tu vas aller me refaire un peu de. Hop, j'aime pas les gens aux États-Unis. Investigating target. Les États-Unis, c'est chez moi. Surtout quand j'ai pas de. Surtout quand j'ai pas de défense des intérêts qui est active. We found nothing of note. Public sentiment is increasingly with us. Public sentiment is increasingly with us. The people will come to our side.
Our cause is unjustified to them. Taiwan, je vais pouvoir le lâcher. Ready. De nouvelles organisations sont disponibles. Est-ce que je peux les acheter? Je ne pense pas. Non. En expérience, non plus, j'ai pas de quoi encore. Ah zut, brilleux, je voulais le déplacer. Tant pis. Et tu le fais exprès là. We're winning their hearts and minds. Our case remains unheard. Public opinion is moving in our direction. We've moved the needle. Scandale, bah serrons les dents. Serrons les dents. J'ai encore une popularité qui est largement correct. Je peux acheter SGI pour l'un de nos... C'est quoi SGI? C'est du commandement. Plus de en commandement, plus de en sécurité. Ce serait plutôt pour toi. Ouais, il faudrait que je te libère. Alors, plus en admin. Il faudrait que je te libère un point. Ça pourrait être celui-ci. Effectivement, ça pourrait être intéressant que je prenne SGI. Ouais, c'est une bonne organisation quand même. Ouais. Celui-ci, 35 points de boost. Ah, j'en suis pas loin. Ils ont tous besoin d'influence hein, pour être achetés. Donc, je peux pas y faire grand-chose pour l'instant. 16... Non, 16, je peux pas. Moins 0,42. On commence à se rapprocher du vert. Standing by for orders. Hop. Tu peux aller au Lagos pour me défoncer de la faune extraterrestre. Hop. Heading to the LZ. Et j'ai toujours pas bougé d'Achus. Brilleux, pardon. We've moved the needle. We're winning their hearts and minds. Public sentiment is increasingly with us. The LZ is secure. Ah, ça c'est cool. Première base martienne fondée. C'est sur une plaine rouge et sous un ciel brumeux que le commandant de base descend de la barge du débarquement. Armstrong et Gargarine peuvent nous accompagner alors que nous faisons nos premiers pas sur notre nouveau monde. Les 200 points d'influence, ils font du bien. Je vais les dépenser rapidement. 500 points de science, ils font du bien aussi. Hop, nous avons terminé le projet défoliant pour Xenoflore. Un 25% de dégâts en plus quand j'attaque les plantes extraterrestres. Et nos régions sont mieux défendues. Terminé, terminé. Hop, nickel. Hop, on va chercher les méthodes extraterrestres qui permettent la faction de détecter les contacts extraterrestres avec les humains. J'ai bientôt les cargos nucléaires qui me permet de diminuer l'acheminement. Ça, c'est pas mal aussi. Réduit la propulsion utilisée. Donc je vais attendre de l'avoir recherché
pour aller choper le pour aller choper le lancer éventuellement des mines, parce que ça va me coûter beaucoup moins. Je suis à combien, moi? Je suis à 2800. Ouais, ce sera pour le protectorat. J'arriverai pas à l'attraper. Ok. We'll be ready for new order soon. Alors oui, si on avait dit, donc ce que je ferais, c'est que j'irai défendre mes intérêts aux États-Unis. Est-ce que je pourrais pas en profiter pour choper, alors, soit une organisation qui donne de l'influence. Non. Je peux pas en acheter de base. Est-ce que j'en ai qui donne de l'influence? La Camorra, par exemple. La Camorra italienne, mais je peux pas la prendre. Qu'est-ce qui donne de l'influence? Eh ben, il y a la mafia américaine, éventuellement. Pour ça, il faut des criminels. Je n'en ai pas. C'est bien dommage. Et les Japonais, je ne peux pas. Ça c'est il faut une région d'Israël, et ben je peux rien prendre, je l'ai dans l'os. C'est bien dommage. Qu'est-ce qui est à prendre vite? C'est à prendre en rapide, c'est toi. Hop, un point d'ami en plus. Pif paf pouf. Et pas dépenser points pour Interpol ou pour le 7e groupe des forces spéciales américaines. Je suis quasiment dans le vert. Quasiment. Mais cet épisode va s'arrêter maintenant. Sur cette phase-là, je vais juste envoyer Brieux qui peut pas. C'est toi qui fais la défense des intérêts aux États-Unis. Securing our interests. Je vais te lancer toi. Non, tu vas pas me faire de blocage de projet sur l'humanité. Tu vas me faire une petite recherche pour quelqu'un qui est au Vietnam, par exemple. Eyes on target. Hop. Ready to go. Et Brieux, je pensais à bouger et puis j'arrête l'épisode ensuite. Ah, où j'essaie un contact diplomatique, tiens. Va contacter l'humanité. Et on verra ce que ça donnera au prochain épisode. Je vous rappelle que vous pouvez toujours rejoindre l'équipe. Brieux et Iita peuvent être renommés et refacés si vous le souhaitez. Un scientifique et une exécutive, ils peuvent rejoindre l'équipe avec un autre nom. N'hésitez pas à laisser un commentaire et voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.